Salut les amis, c'est Améthyste et on se retrouve aujourd'hui pour ce playthrough que je vous avais promis. Édité par Warner Bros. Games. Il s'agit d'un jeu Lego. Avec du Marvel dedans. Développé par Traveller's Tales Games. Vous l'aurez donc compris, surtout si vous avez regardé le titre de la vidéo avant d'aller dessus, il s'agit de Lego Marvel's Avengers, qui est sorti en janvier 2016 sur PC et console, donc désolé les joueurs mobiles. Écoutez, je vais pas vous redire en quoi consiste un jeu Lego, hein. C'est un jeu d'action-aventure un peu, qui réadapte des médias. Et sur le ton de la déconnade, hop, nouvelle partie, on va prendre un emplacement, voilà, emplacement 1, hein. Confirmé, oui. Donc voilà, qui se joue à un joueur ou à deux, si vous avez un ami en local, ce que je n'ai pas, parce que tout le monde dans mon entourage déteste les jeux Lego. Enfin, déteste, n'aime pas, disons. Regagnez immédiatement votre poste, ce n'est pas un exercice. Nous sommes attaqués. Carrément, on démarre là-dessus, du coup. Le sceptre de Loki est ici. Stryker en a besoin pour se défendre. Ils aiment bien foutre des cochons dans les jeux, hein. Ah, cette scène. Ah, c'est bien foutu. Avengers. Foncez sur la forteresse. La présence de Strucker est confirmée. Arrêtez les Avengers. Alors, par contre, je tiens à préciser, moi je regarde les films en VO. Du coup, ça ne me parle pas énormément quand il parle en VF. Voilà, tout simplement, mais je l'ai laissé parce que quand je joue, je préfère quand même ne pas avoir à réfléchir à ce que j'entends. Même s'il y a des sous-titres. Oh merde, je suis désolée. Bah non, c'est pas ta faute. C'est la mienne là pour le coup. Je veux dire, c'est moi qui t'ai tiré une flèche dans le cul. Enfin, dans le cul ou dans la tête, je sais pas, mais. Alors. J'aimerais bien savoir justement, c'est chelou. Hein. Maintenez B pour construire des objets utiles, oui. Ah oui, ils vont me faire un petit tuto, effectivement. D'accord. Où est Thor? C'est Thor qui se charge de ces... Ah non, non là. Ok, on a décidé. Vous avez besoin d'aide pour ça? Non, je ne vous juge pas. Ah, ça va, ça va. Depuis quand elle sait le faire, elle? Merde. Non, je voulais pas tirer dessus. Mais je veux pas tirer dessus. Je veux que tu... Allez. Bah quand même... Ah bah oui, forcément. Avec ce type d'arme, moi aussi je pourrais. Hein. Ça c'est fait. Alors, ensuite, je ne sais absolument pas ce que je fais, hein, c'est... Et c'est censé me permettre quoi? Ok, j'ai absolument tout compris, ah oui d'accord. Ok, donc hop... Wouhou! Ah, je suis la meilleure. Enfin, le meilleur pour le coup. Donc... Ah oui, elle saute comme ça. Ok, donc moi je me pète le cul parce que je suis le gros useless du groupe.
J'ai beaucoup plus de mal à distinguer en fait qu'est-ce qui se pète de ce qui se pète pas. C'est les couleurs sont très ternes. Bon après je sais que c'est le monde qui veut ça. Hein, mais... Comme d'hab, on va bien. Non mais ça va, mais. T'as fini de m'expliquer tout ce qui se passe dans ta vie, voilà. Gros tuto, hein. Ah, ça va être cool. Regardez par là. Et je pouvais pas juste prendre les commandes en me mettant comme une personne civilisée aux commandes derrière. Bon, vous crevez là, les mecs. Ça se trouve, c'est pas du tout. Ah, je pouvais rester appuyé aussi, ouais. C'était pas mal, ça. Regardez toutes ces pièces perdues. Ah, lui, il est venu carrément... il a des couilles, quoi. Il s'est dit, vas-y. C'est qu'une meuf. Mais qu'est-ce qu'il est moche, en fait, ce monde. Enfin... Je parle moche en termes de couleur quoi et. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça là par terre? Je ne sais pas mais... Hop. Ah d'accord. Écoute, hein, on va hop. Alors, si tu as juste la patience d'attendre ma chère que je finisse avec ces trucs-là, je crois que là j'en suis à 4 sur 5, ouais c'est ça. Donc il faut que j'aille chercher le dernier. Je sais qu'on est en pleine bataille, mais tu comprends, c'est très important. Une tâche, ah voilà. C'est une tâche qui m'a été confiée. Voilà. Vas-y maintenant, tu peux faire ce que tu veux si t'as envie de te refaire une beauté et tout ça. Ah mais non. Non, non, c'est juste... je sais pas... Qu'est-ce que... Pourquoi? Ouais. D'accord. Oh, c'est mignon. On a perdu l'effet de surprise. Dégommez ce bunker. Merci. Ah, c'est bon, j'allais dire, je l'ai tout seul, tout ça, mais non. Ça va, il est pas tout seul. Il a Tony avec lui. Donc tout va bien. Ouh, j'ai failli tomber. Ah, il est beaucoup plus. Waouh! Il est beaucoup plus random en mode. En mode. Comment dire. Non, non, lâchez-moi! Il faut qu'on parle. Non, en fait, c'est... Ah oui, d'accord. C'est si je veux, je peux... C'est pas ça que je voulais faire. Ouais, en fait, je suis pas obligée de le voir, le tuto. C'est juste si je suis assez conne pour frapper tout ce que je vois. Ça fait mal. Ça, je peux pas l'activer. Moi ce que je me demande surtout c'est pourquoi je... Ah oui non c'est juste... C'est vrai que moi je peux traverser comme je veux mais il y en a un là-bas, là le gros. Qu'est-ce que je peux faire avec B en fait? Hop. D'accord, c'est pour faire mes coups spéciaux en fait. Mais je vais plus faire que ça en fait, c'est con. Ah non, je peux pas le faire à chaque fois. Non, tu ne me toucheras pas. Je suis un véritable Avenger, si vous en doutiez encore.
moi. Non mais en fait ils viennent à l'infini je crois. Ça va le faire. Hulk, t'es où? J'ai besoin de toi mec. Est-ce que tu peux servir à quelque chose? Est-ce que tu peux tout détruire? Je ne sais pas ce que je fais, j'y vais à l'arrache. Ah, bah en fait, c'est tout con. Pousse-toi de là. Tac. Hop. On va tout faire cramer, les systèmes de sécurité. Si ça veut bien marcher. Hop. Aïe. Ils sont vraiment une voix de merde par contre. Une si belle moto. Ah, ça les a même pas one shot quoi. Ah, je suis déçu. On va peut-être se mettre au boulot. Hein. Pas. Oh merde, j'ai pas attaqué la bonne personne. Il va m'en vouloir à force. Hein. Oh. Ok. Donc le but c'est de balancer tout le monde. Aïe. Je voulais pas mourir. Ouais non, je crois que le but c'est bien d'envoyer tout le monde. Enfin, ça me paraît bizarre quand même. Comment je fais moi? J'aime beaucoup les attaques spéciales, mais en fait on en a limite trop. Tac. Parce qu'au au final, je prends 3 plombs pour tuer un mec. Parce que j'ai une belle. Une belle façon de faire. Bon, écoute, hein, moi je te laisse, hein, Captain. Voilà, t'avais qu'à être un mec bien. Un mec qui vole. Parce que je ne respecte que les mecs qui volent. Mais y'avait pas un truc là? Ouais non, je vais être obligé d'avoir besoin de toi quand même. Parce que je ne sais pas éteindre les feux. Bon alors comment je fais moi? Ah bah oui, je suis con. Attends, hop. Donne-moi juste 2 minutes. Non, c'est pas ça. Hop. Voilà. Hop. Ah vous, tu m'aimes bien. Hein, tu m'aimes bien. Non, tu m'aimes pas. Bon, tu m'aimes pas. Allez, vas-y, éteins-moi. Ouh, merde. Ah oui, non. Ouh, c'était dangereux. C'est quand même très con de te suicider comme ça, mais bon. C'est pas mal, ça, comme façon d'éteindre des feux. C'est clair que au moins c'est plus efficace qu'avant où il faisait que passer. Hello. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Mais non, je veux contrôler ce truc. Laissez passer. Eh B, c'était pas très solide tout ça. Hein.
j'arrive pas à croire qu'on nous a envoyé direct sur cette mission. C'est ce qui s'appelle être dans le feu de l'action. Oh putain! Non mais je voulais juste récupérer des pièces, les gens! Hop! Je sais pas ce que je fais. Ah! Mais. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Non, je voulais pas détruire. Ah, mais si, en fait, je voulais détruire, voilà. C'était mon plan. Depuis le début. Ils vont pas faire long feu. Hein. Oh merde! Et qu'est-ce que je suis censé faire là? Ah oui, d'accord. Non, non, je suis censé prendre Thor et faire un truc, voilà. Hop. Wouah! Là, ils ont pris cher quand même. On se les finit tranquillou. Monsieur, la ville essuie des tirs. On connaît Strucker, il se moque pas mal de faire des victimes civiles. Envoie la Iron Legion. Oh, regardez la tête du mec qui était vraiment pas content, voilà lui. Nous venons vous aider. Veuillez reculer. Nous venons vous aider. Qui a lancé l'attaque? Air Striker, les Avengers sont là! Ils veulent le sceptre. Nous ne céderons pas! Les Américains ont envoyé leurs monstres de foire nous tester! Nous les renverrons dans des sacs! Pas de reddition! Pas de reddition! Il faut que je capitule. Si on leur remet les armes, ils seront moins curieux. Mais les jumeaux, ils ne sont pas prêts. Non, non. Je veux dire, les jumeaux. Médecin. Tu l'as pas vu venir, c'est ça? Alors, t'as rien vu venir? Clint! L'optimiser. Un courant d'air. Clint est blessé, les gars. Il va falloir l'évacuer. Je peux ramener Barton dans le jet. Plus tôt on sera parti, mieux ce sera. Vous et Stark récupérez le sceptre. Compris. J'arrive. Levier abaissé. Stark, vous me recevez? On détecte un grand nombre d'appareils au-dessus de la forteresse. Il faut se débarrasser d'eux pour que le capitaine puisse trouver une entrée. C'est plus pratique que tu le crois. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est trop étroit là-dedans. Wow, je ne sais pas ce que je fais. Écoutez, hein, je tire dans tous les sens. Ça va forcément faire du dégât. Voilà. Oui. Nickel. Mais lâchez-moi! Juste ce qui doit être fait. Voilà. J'aime quand je me bats dans le vide. Bon, alors. Oh. Non, attends, tout est.
Ils arrêtent pas de venir, mais lâchez-moi. Vous voyez bien que je suis occupée là. Ah, Stanley est en danger encore. Même dans ce jeu-là, il nous lâchera pas. Allez. Bon alors, j'essaie de comprendre ce que je suis censé faire. Ça m'a servi à quoi au final? Ok, ça m'a servi à ça. Oh. D'accord. Pas mal. Destruction. Ils sont lourdement armés quand même. Écoutez les mecs, je vous aime bien, mais j'ai pas le temps. Voilà. J'aime avoir mes groupies qui me suivent partout. Mais. On me voit, on me voit plus. Moi. Ah, mais non, mais c'est qu'ils me suivent vraiment partout, quoi. Non, mais. Tiens, voilà ton autographe si tu veux. Toi aussi. Non, il serait tout. Bonjour. Merde. Attends. Hop, voilà, on se la refait en mode gros warrior. Bah, il doit nous rester celui de droite, je pense. Hein. Attention, l'eau de groupie numéro 2. Mais tu n'es pas mon type. Mais tu vas me lâcher, oui. Donc ce n'est pas par là. Il faut que je remonte. Voilà. J'aille par là. Ça fait peur quand même. Ces lance-flammes de merde. Merde, c'est pas ça que je voulais faire! Tu me perturbes, dernier groupie là. Hop. Les cris qu'ils font quand même. Alors. Ah oui, d'accord. En fait, je suis pas du tout un warrior. J'esquive les problèmes. Ce que j'aime bien, c'est je sais éteindre des feux, mais pas ceux-là spécifiquement. Trop dangereux. Ah! Bah t'as qu'à me suivre si tu veux tant me tirer dessus, connard. Aïe. Tiens, le mec qui descend une échelle, il se pète la gueule quoi, c'est... So. Bon, j'aimerais bien le trouver Stanley parce qu'en fait il est Ah oui, il est là-bas. Ah c'est bon, si tu veux, je crois que tu peux te lâcher, tu peux te laisser aller. Non? Attends, je vais te construire un petit, une espèce de, je sais pas en fait. Ah non, voilà, juste je te récupère, voilà, descends. Si tu le dis. Et sur ce... Merde, à chaque fois j'oublie. Une nouvelle touche pour destroy les trucs. Voilà. Hop. Mode sentinelle. Ah bah il va vachement servir hein, avec la tête comme ça. Ouais. Et j'ai... Beaucoup mieux. Je vois la récompense. Ce mode furtif de la mort, quoi.
Non, faut pas les faire blesser, faut les faire morts. Morts. On fait rien, on les laisse le prendre. Bon, bah c'est plutôt pas mal hein, pour une première mission. Bon du coup c'est, j'ai juste du mal à comprendre parce que je pensais que ça nous ferait commencer avec le premier Avengers en fait, tout simplement. Donc je suppose qu'à un moment donné on va trouver une façon de relier le deuxième au premier de façon inversée. Ouh, il y a encore beaucoup de persos du coup dans celui-là. Ça va être cool, ça va être long surtout à rassembler. Mais... Donc ouais, non, sympa, ils réutilisent vraiment les dialogues. Après, le truc que je trouve qui est dommage, c'est que du coup, on a moins de liberté en termes de... la façon de se faire... Alors, quand est-ce que je vais en être la star officiellement? Jamais. Chut, dégage. Pardon. Je voulais pas être méchante. Je suis désolée. Oui, je trouve qu'on manque de liberté du coup en termes de, bah, de déroulement de... Le ah bah tiens. S'est éveillé. Il est dans un petit monde. Un monde humain. Ils veulent le contrôler. Mais notre allié en connaît le mystère mieux qu'aucun d'eux. Il est prêt à donner l'assaut. Loki. Dans Chitauri, je souviens, le monde sera à lui, l'univers sera à vous, et les humains seront réduits en cendres. À tout le personnel, l'ordre d'évacuation est confirmé. Voilà, il y a quand même des petits trucs, mais ça reste l'humour de base des jeux Lego, mais je pense quand même qu'il y a moins de... Ok, j'ai rien dit. Bon, dans tous les cas, on va s'arrêter là, hein. Voilà, c'était juste là pour voir la cinématique. Directeur Fury, agent Hill, vous êtes là? Je peux avoir un coup de main? On m'a enfermé pendant l'évacuation. Bon sang, Coulson. Désolé, monsieur, on dirait qu'on a du pain sur la planche. Ah ouais, carrément, il me la donne maintenant. C'est cool. Bon, on va profiter qu'il n'y a personne qui parle, voilà. Donc ouais, non, mes impressions, c'est que bah ça va. Ça va, j'avais peur parce qu'il y a quand même eu des mauvaises critiques sur le jeu. C'est vrai qu'il a l'air... Il y avait une des critiques qui disait qu'il était facile. Bon après, est-ce qu'un jeu Lego peut être catégorisé comme difficile? Non. Je pense que ça dépend des énigmes, mais ouais, dans l'ensemble, de toute façon, c'est normal, c'est fait pour que ce soit accessible. Donc... Tu veux bien juste... Voilà, tu veux juste te taire, voilà, merci, j'étais en train de parler quand même. Hein. Et quand Nick Fury il parle, et ben on lui fout la paix. Ah. Donc, je disais, voilà. Pour l'instant, voilà, mon avis est plutôt positif, parce que bah, ça fait plaisir de revoir des passages des films. Mais je pense que on verra à terme, voilà. Je vais pas commencer à me dire maintenant oh ouais il est trop cool, alors que ça se trouve dans 5-6 missions je vais voir les limites du jeu. Mais je reste ouverte d'esprit, je me dis voilà, il va être cool. Parce que j'aime les films Avengers. Même si bon, je préfère les films Thor.
Les Avengers sont pas mes préférés. Et les Captain America non plus. Mais bon, on va pas en parler, hein. Pardon. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un j'aime ou un commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite des playthroughs qui sont en cours. Je ne sais pas à quelle vitesse je ferai celui-là, on verra bien. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.